Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour l'épisode 17 de notre Let's Play sur Rayman Origins. J'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour débuter le dernier monde, le cumulo grincheux, que nous avons ouvert la dernière fois en secourant le dernier des quatre rois, Madame Crevette, Monsieur Crevette en fait, je ne sais pas, ce sont des reines, des rois, peu importe, je pense que la fleur est une reine personnellement, et je pense que la cocotte est une reine aussi. L'espèce de dragon, ça doit être un roi, et la crevette... pour créer un équilibre, on va dire que c'est un roi, même si on dit une crevette. Bref, en fait, je n'en sais rien. En tout cas, ce sont des seigneurs, ça c'est sûr. Même si un seigneur, c'est pas tout à fait un roi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes partis pour le cumulo grincheux. On va essayer de s'en sortir. Si tout se passe bien, on devrait débloquer le coffre à pattes en continuant l'histoire normalement. Si on arrive à avoir au moins les 3 Electoons ici et à en avoir 10 autres par la suite, normalement, il y a moyen que ça se passe correctement. Du coup, on est parti pour « Vas-y si tu oses ». Il me semble que ce monde, c'est le plus difficile, c'est celui dont je me souviens le moins. Clairement, je l'ai jamais fait en entier. Même si je... C'est un petit peu le problème que j'ai, en fait, au cours de ce Let's Play et avec ce jeu. Alors, attendez. Magie des ancêtres, nous t'invoquons. Allez hop, que s'ouvre la porte du bulleur de rêve. Voilà, c'est bien ça. En fait, c'était bel et bien pour ouvrir, du coup, la porte du bulleur de rêve. Hocus pocus, locus pocus. Ok, très bien. Et nous sommes partis. Du coup, dans ce que j'appelle le monde le plus compliqué. Et le problème, du coup, ce que je disais, le problème que j'ai, en fait, avec ce Let's Play, au cours de ce Let's Play, c'est que je vous ai dit que je n'avais jamais terminé le jeu. Le problème, en fait, c'est que je connais quand même la fin, dans le sens où, comme je vous l'avais expliqué, j'aime beaucoup regarder des speedruns, et notamment des speedruns de ce jeu. Du coup, je ne connais pas tous les niveaux, mais je connais globalement... je connais globalement le jeu, finalement. Mais après, moi, je n'y ai jamais joué personnellement, donc ça change tout. Alors... Même si ces niveaux-là, je crois que je les ai déjà faits. Hein. Alors, on va essayer de s'en sortir. Attendez. Non, il n'y a pas de looms en tirant dans les nuages. D'accord. Très bien. Alors, du coup, il va falloir qu'on se débrouille pour en avoir un certain nombre. Hop. Tac. On récupère tout ça. Ok. On va se concentrer vraiment pour tout récupérer. Hein. Il nous faut ce coffre à pattes. Ok. Mince, j'en ai loupé. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on peut se permettre d'en louper quelques-uns, de toute façon, comme d'habitude. Oups. Ok. Je me suis suicidé. Et on reprend où? Ah, on reprend au tout début, carrément, d'accord. D'accord, d'accord. Il faut vraiment que je fasse attention aux éclairs. Parce que le problème, c'est qu'en essayant de tout récupérer, je fais pas attention aux éclairs. Et c'est un petit peu le piège. Bon, du coup, on va essayer de mieux s'en sortir que la dernière fois, d'ailleurs. Ça pourrait être plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va faire attention aussi aux explosions de ces bombes. A priori, si je bouge pas, il n'y a pas de raison que je me les prenne, mais on sait jamais. À la limite, on va laisser les bombes de côté, écoutez. Ça nous sert pas à grand-chose. Hop, ça, on récupère tout. Ok, là, on est bon. Non, ça c'est mort. Oula, j'ai failli me prendre une rafale. Hop. Ou plutôt une déflagration en fait, si on peut dire. Ok, pour ça c'est bon. Oula. C'est pas passé loin là pour le coup, mais ça va devenir compliqué de tout récupérer. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Ok, d'accord. Faut pas que je reste trop près de la droite parce que sinon je vais louper des trucs. C'est un petit peu le piège. Hop là, ok, nickel. Oups. Mince, alors là, faut que je fasse attention, ce serait vraiment dommage de mourir maintenant, je pense. Je sais pas si on a eu un checkpoint. Ouais, je pense qu'on a eu un checkpoint, quand même. Donc là, ça a l'air de se calmer. Ok. On est bon. On reste concentré. Hop, on tue tout le monde. Alors, j'ai cru voir, d'ailleurs, qu'il y aurait deux niveaux avec Mosquito. Wow, wow, wow. Ah non, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que je rêve. Ok, d'accord. Bon. C'était pas la peine de continuer, autant reprendre au checkpoint. Hein. Ce sera plus safe. Allez. Hop. Vous dégagez. Et du coup, non, c'est 300. Hein. C'est toujours 300, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est 200. 200, c'est pour les... C'est pour les zones avec que des Electoons, il me semble. Ok, on est bon.
C'est clairement pas passé loin. Ok, on est bon. On s'en est sorti. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, il va falloir faire attention. Hop. Ouh, ça c'est pas mal. Hop. Ouais, c'était pas mal. J'espère qu'on pourra avoir d'autres rennes. Ok, c'est raté, c'est pas bien grave. Faut que je fasse attention à ces gros moustiques parce qu'ils ont l'air assez pénibles. Hop là. Alors attendez. Toi, je sais comment t'avoir. Nickel. Ok, ça, ça peut se casser. C'est nickel. Hop, on fait attention. Mince. Commence à y avoir n'importe quoi, je vois plus où est-ce que je vais. Ok. Allez, on est pas loin des 300, je pense qu'on se rapproche de la fin du niveau aussi. Oh non, des torpilles à tête chercheuse. Non mais ils sont sérieux. Eh oui, mais qu'est-ce que je fais moi contre ces torpilles? Bon, ok, on reprend ici. Ouais, bon, très bien. Très bien, très bien. Hop, allez, on va faire attention. Eh! Non mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Allez. On se concentre. Hop là, voilà. Ok, à ce niveau-là, on est bon. On va prendre notre cœur. Ok. Allez, on a combien? 207. Ah mince, j'aurais pu avoir les deux. Non, sérieusement, quoi. Pourquoi je me suis fait toucher ici? Vous me l'expliquez. Bon, allez, on se concentre, ça va, j'ai récupéré un cœur. Non, ceux-là, je peux pas les détruire. Hop. Allez, on fait attention. Parce que ça tire d'un peu partout, là. Ok. On est à 255. Je crois qu'on est un peu mieux que la fois précédente. Ça, par contre, ça se fait pas parce que... Je peux pas aller aussi vite que je veux, moi, dans ce niveau. Ok. Ok, on est pas mal. J'ai encore mon cœur, mais je crois qu'on arrive à la fin. Du coup, j'aurai pas les 300. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, hein. Au moins, on s'en est sorti, c'est tout ce qui compte. Et on a deux niveaux... Si, il me semble qu'il y a bel et bien deux mosquitos, vu qu'il y a deux niveaux à 3 électoons. Bref, du coup, on termine ce niveau. Après, avec un peu de chance, et exceptionnellement pour ce niveau, ce sera pas 300, mais j'y crois pas. Alors, allez, remplis-toi, jauge magique. Et puis bon, bah c'est pas grave, on aura un décompte un petit peu moins long, hein. Faut voir le bon côté des choses. Du coup, on a notre premier Electoon, c'est déjà ça. Allez, continue de te remplir. Mais du coup, je me demande c'est quoi l'autre niveau à 3, parce que ça va pas être un pont, enfin, une zone à Electoon. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, on va bien voir, je ne m'en rappelle pas du tout. Quoi qu'il en soit, on en a fini avec Vas-y si tu oses. On voit que ça se corse de plus en plus quand même, hein, surtout sur la fin. Du coup, eh bien écoutez, nous sommes partis pour Ronde de Fumée, et on va essayer de s'en sortir. Hop, petit chargement un peu stylé. Non, vraiment, les chargements du jeu, je les adore. Justement, il faudrait des niveaux comme ça. Hop, bref. Tac. Alors d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce qui a l'air d'alimenter... un peu tous les mécanismes de cette zone, ce sont des looms, justement. Ok, ok. Hop. Alors, on va y aller prudemment, hein. Oh. Nickel. Alors, attendez, parce qu'il va falloir aussi trouver des rooms bonus. Ok, ça c'est nickel. Alors attendez, parce que ça, comment je... M'étonnerait que ça aille assez loin. Pas du tout. On va passer par en haut parce que ça peut être intéressant à récupérer. Ah oui, mais je peux plus aller en haut. Bon bah voilà, comme ça c'est nickel. Hop. Ok, on est bon. C'est pas passé loin. Ah, attendez, il y a peut-être quelque chose là-haut. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas la peine de risquer de perdre de la vie.
Mais je pense... Ah oui, d'accord, ok, on doit voler ici. Pas de soucis. Ok. Du coup, on va faire attention, parce qu'il peut y avoir des trucs cachés. Notamment en haut. C'est quand même plus facile à manier que le mosquito. Wow. What? D'accord, alors je sais pas si c'était voulu par le jeu ou si c'était juste un bug, mais en tout cas, c'était violent. D'accord, non, visiblement, faut juste pas se faire toucher parce que ça a l'air un petit peu bugué, quoi. Hey, mais je me suis pas fait toucher, là. Ok, ça va être pénible, les amis. Hop. Ça va être pénible de tout récupérer. Alors, j'ai vu qu'en bas, il y avait une pièce, déjà. Donc, on va aller en bas. Mais, oh, mais j'ai juste touché le nuage, quoi. Il était même pas en foudre. Voilà, là, je l'ai touché, il s'est rien passé. Il va falloir faire très, très attention, être très précis et très prudent. Ah oui, je comprends, du coup. D'accord. Ça va être magnifique pour récupérer cette pièce. Mais on va la récupérer, ne vous inquiétez pas. Hop. On va l'avoir, il n'y a pas de souci. Faut juste que je comprenne. Genre là, on est bon. Une room bonus, à votre avis, il y en aurait une où? Parce que là, je dois vous avouer que ça m'embêterait de perdre ce qu'on vient de gagner. Là, vous pensez que c'est la suite? Alors là, c'est la suite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis sûr que j'ai loupé un truc ailleurs. On va prendre le risque, hein, écoutez. Ah, visiblement, non. Bon, écoutez, on va partir du principe que j'ai rien loupé, en tout cas, on va croiser les doigts. D'ailleurs, je vais faire un truc. Stupide, mais je l'ai fait, très bien. C'était juste histoire de vérifier s'il n'y avait pas quelque chose en bas. Hop. Oh oh. Alors ça, si mes souvenirs sont bons, on peut pas les tuer, faut les éjecter. Hop, je crois que c'est le seul niveau dans lequel on va voir ces attaques-là, qu'on ne voit jamais d'habitude. Non, on ne peut pas les tuer, c'est bien ça. Alors. Sérieusement, quoi. Y a rien par ici, très bien, on va continuer d'avancer. J'ai un peu peur pour la room bonus. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hop, toi tu dégages. Oups. Oups. Ça va être compliqué tout ça. Ouais, on sent clairement que c'est le dernier monde, hein. C'est beaucoup plus compliqué. Eh, hey, il y avait un cœur. Ok, c'est bon, je l'ai récupéré. Oh non, mais t'es sérieux, toi. Dégage. Ouais, bon, ok. Ok, ok. Comme on dit, prudence est mère de sûreté, hein. Sauf que la prudence, c'est pas trop mon truc, là, en l'occurrence. Hop. Voilà, reste là, toi. Ah là là, ça va être pénible. Faut que je chope le timing, hein, mais avec l'autre truc là qui s'apprête à me tirer dessus. J'ai pas trop confiance. Allez, on est qu'à 119 et je suis persuadé d'avoir loupé une room bonus, s'il y en a une. Oh purée. Ça va être pénible, mais je vais la récupérer. Je vais la récupérer, y a pas de souci. Hop. Ok, ça c'est bon, toi tu dégages. Hop, voilà, alors on va attendre, j'allais dire 32 secondes, je ne sais pas pourquoi, mais on va attendre doucement, comme ceci. Toi, je te récupère. Et une room bonus un jour, ça pourrait être intéressant. Hop. Ah mince, mais je suis bête. Je suis décidément demeuré. J'avais pas vu qu'on pouvait s'accrocher, en fait. Bon, c'était assez discret, pour le coup. Hop, on attend d'avoir la pièce.
Tac, on est bon, et cette fois-ci on fait pas de bêtises. Ok, mais j'ai toujours pas de room bonus, et ça c'est pas cool, parce que j'étais parti du principe qu'on serait bon pour le coffre à pattes, mais si ça continue, je vais devoir retourner en arrière. Comment vous dire aussi que ces poissons ne m'inspirent guère confiance. Bah, au moins en avoir une, quoi, ça pourrait être bien. Ok, on récupère ça. Par ici, il n'y a rien. Ok, là, on est pas mal. Ok. On fait attention. On va essayer de récupérer la pièce aussi, hein. Et au niveau des lumes, ça devrait être clairement bon, là, pour le coup, vu tout ce qu'on nous donne. Alors, attendez, que je comprenne comment ça marche. D'accord, je me suis fait gentiment avoir. Ah, oh, c'est pas vrai. Attendez, je vais me charger de ce poisson, d'abord. Hop. Voilà, nickel. Bon, maintenant... Ce qu'il nous reste à faire, c'est ne pas mourir. Tac. Tac. Allez, on y va tranquillement, mais sûrement. Ok. Non, mais il n'y a vraiment pas de room bonus? Sérieux? Alors, attendez, on va faire attention ici, parce qu'il y a pas mal... d'Electoon, de Lums, pardon. J'ai failli me faire avoir en faisant un rebondi mur quand même. Hein. Bon, ça va, j'ai récupéré un cœur, j'avais pas fait attention à ça. Ah, et il me semble qu'il y a une room bonus ici. Ok, nickel, au moins on en aura eu une. C'est déjà ça. Comment ça se passe par ici? Ok. D'accord, alors on ne peut pas les tuer, mais je pense qu'en fait... Non mais vole, s'il te plaît, Rayman. Ok, merci Rayman, toujours... On peut toujours compter sur toi, ça se voit, c'est cool. Hop là, voilà, c'est ça, on ne peut pas les tuer. Ouf, mais on peut les faire tomber, ça c'est cool. Et c'était le premier. D'accord. Ah bah en fait, on est bon, écoutez. Hein. Les amis, on est bon. On n'a rien loupé, mais alors ce niveau, il se termine quand? Parce que... Ah, c'était les guidés, tiens, j'avais pas fait attention. Bon, en même temps, on a utilisé ce pouvoir tellement peu de fois que... difficile de faire attention à ça. Hop. Du coup, je pense que... les prochains doivent se trouver par ici. Oups. Oh! J'étais pas mort, d'accord. C'est assez random, hein, des fois, quand on meurt. Enfin, on sait pas trop si on va mourir, ou je sais pas quoi. Des fois, on meurt, des fois, on meurt pas. Hop. Ok. Bon, la room bonus sera pas de ce côté, je pense pas. Ah, j'ai entendu le help me. Je l'ai entendu. Alors, attendez. Ça doit être par là. Où exactement, ça, je ne sais pas. Hop, doucement. Alors par où c'est, à votre avis? Ah, ça doit être là. Ça doit être en bas. Laisse-moi tranquille, toi, voilà. Ok, c'est bon. J'ai jamais voulu faire un double saut, enfin un saut murage, j'ai voulu planer. Ça n'a pas exactement marché comme je le voulais. Oula. Ok. Ah, c'était juste une course, d'accord. Sympa. Ça change, et c'était pas très compliqué. Bon, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de terminer ce niveau, s'il vous plaît. Parce que comment vous dire qu'il était pas simple? Hop. Allez, je pense qu'on arrive à la fin.
Toujours pas? Ok, très bien, merci. Merci. Va falloir choper le timing parce que ça m'a l'air assez tendu. Toujours pas ça, très bien. Ok, nickel. Ok, tout va bien. Oula, attendez. Eh, toi, je te veux. Bon, ok, je sais comment il faut faire pour l'avoir. Ça va être très tendu. Je sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de l'avoir, hein, honnêtement. Ah, mais attendez, mais ça peut être comme ça, sinon. Eh, je pense que comme ça, ça peut le faire. Oh! Ok. Je pense que comme ça peut le faire. Nickel. Hop, du coup, on avance. Au moins qu'on ait nos 350, quoi, ça pourrait être bien. Bah voilà, nickel, on les a. What? Non, mais c'est pas dans ce sens. Ok, c'est dans ce sens. Eh, c'est traître, hein, quand même, parce que les flèches, elles sont pas dans le bon sens. Bon, là, on arrive à la fin. Je ne sais pas, je dois vous l'avouer. J'espère. Tac. Je suis Rayman, le meilleur spammer boxeur de l'univers. Wow. On se calme tout de suite. D'accord, très bien. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ce niveau, il y a la blinde de Looms. Hein, là, pour le coup, difficile de les louper. Ok, merci. Merci Rayman de t'être relâché. Hop, nickel. J'aimerais avoir, si possible, le cœur. Voilà, merci. Wouhou! Je crois que c'est la première fois que j'utilise ça, mais c'est plutôt sympa. Alors attendez, ça marche comment là? Oui, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Enfin, je bafouille un petit peu, en même temps c'est compliqué. Ok, en fait, faut aller dans le sens contraire des flèches. Wouh! Eh B, ça y est, on en a fini avec ce niveau et on a récupéré tous nos électoons, donc ça c'est cool. Si on récupère tous les électoons du prochain niveau, on sera sûr de pouvoir faire le coffre à pattes correctement. Et ça, c'est cool. Du coup, hop, allez, remplis-toi, jauge magique, jauge à Looms finalement. Du coup, on récupère cet électoon et le prochain, s'il vous plaît, on va même avoir notre super médaille de la musique qui tue. Et ça, c'est cool. Hop, nickel. Avec une petite danse de Rayblox, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai épais ce personnage, voilà, je pense que vous vous en seriez aperçu de vous-même, rendu compte par vous-même, tout ce que vous voulez par vous-même, en tout cas, je pense que vous l'aviez vu. Bref, du coup, nous sommes à 194 électrons, il nous en manque 6 pour avoir le dernier coffre à pattes. Donc écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui, pour cet épisode assez tendu, et je pense que ça va ne faire qu'empirer. Le prochain niveau s'appelle comment? Des scies démentes. Ok, bon, bah je pense que ça illustre un petit peu ce qu'il va y avoir dans le niveau. On fera ça la prochaine fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Je sais pas si la prochaine fois on affrontera le boss final. Quoi qu'il en soit, on s'en rapproche fortement, et si c'est pas la prochaine fois, ce sera la fois d'après, ça c'est certain. Bah écoutez, ça marquera la fin du let's play, donc nous sommes bientôt à la fin de ce let's play sur Rayman Origin. Ce sera pour très bientôt. Quoi qu'il en soit, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao.